tenter de leur taper sur l'épaule. Il faut y aller à coups de marteau. Je vous remercie, commandeur, le collectif de Racaille de France. Je voulais juste féliciter d'abord les jeunes qui se sont organisés. Et il faut savoir que les pouvoirs en général sont prêts à payer pour exister ce genre d'organisation. C'est extrêmement efficace. La France est devenue un pays de unicolore. On se rend compte à quel point l'avenir repose sur nos enfants et les enfants de nos enfants et les enfants de nos enfants et les enfants de nos enfants. Collectif qui a choisi, au contraire de certains qui préfèrent lancer des énormités afin d'occuper l'espace public, d'afficher des plaques commémoratives dans Paris en l'honneur de leurs parents, de leurs grands-parents qui ont tout donné pour une France qui n'a aucune considération, ou presque, pour leurs petits enfants. Encourage effectivement, parce qu'il faut qu'on se respecte. Ouais. Quelqu'un qui ne te respecte pas, il ne t'aime pas. Il y a quelque chose dans la mémoire et dans l'esprit qui devient malfaisant. Un non-respect et une non-acceptation de l'autre. Pas un groupuscule. Ces jeunes-là, ils ont tout à fait raison, y compris. C'est des citoyens éveillés, des gens qui, avec courage et surtout, monsieur, sans calcul, expriment leur citoyenneté. Ces pseudo-intellectuels, ces hommes politiques, en fait, ces fossoyeurs des mémoires, cherchent à priver des peuples entiers de leur lien avec leur culture et leur histoire. C'est triste à le dire, la France fait d'énormes pas en arrière et la France ne mérite pas. Les politiques, voir des jeunes comme cela s'exprimer comme ça, sincèrement, les pousse à guetter très près ces moments. Moi, j'appelle pour encourager ce mouvement, qui serait très très bien, c'est d'aller plus voter.